À chaque fois que je me dis que je vais laisser Rebecca pour l'épargner, à chaque fois j'oublie que j'en ai besoin après. J'ai tellement pas l'habitude d'un jeu où tu dois jouer à deux comme ça. Ah non, hein! Saloperie. Ça va ma vie? Je prendrai un soin. Bref. Bonjour Billy! Alors pourquoi j'ai besoin de Rebecca ici? Et vous montrer. Déjà, je vais vous montrer un truc drôle. Le piano est couvert de poussière, mais il semble qu'on puisse encore en jouer. Jouer du piano. Petit clin d'œil à Resident Evil 1, où avec le scénario de Chris, elle joue au piano aussi, et elle joue aussi très mal au piano. Parce que dans le premier Resident Evil, il y a aussi une énigme avec un piano. Mais je trouve ça, voilà, c'était un petit clin d'œil très drôle. Voilà, donc ici on a un petit passage secret. J'ai combien de place dans mon inventaire? Oh, ça va, j'ai large la place. Donc on a une batterie. Sauf que quand la porte se ferme. Et on est là genre, oh mon dieu, mais comment je vais faire pour sortir? Ah, ah, ah. Je suis coincée. Ouh là là. Comment faire? Je ne peux pas passer. La porte est fermée, au secours. Bon, en fait, c'est tout con. Tada! Tu es libre, Rebecca, libre! J'ai toujours trouvé ce truc un peu inutile, parce que je veux dire par là, tu prends la batterie, qui apparemment alimente la porte. Quand tu la prends, la porte déjà de 1 ne devrait plus bouger, mais bon, passons, elle se ferme, ok. Tu rejoues du piano, elle se rouvre, alors que vu que t'as pris la batterie, ça la fait... Enfin, je trouve que cette énigme est un peu tirée par les cheveux, mais bon, allez, pourquoi pas, hein, si ça leur fait plaisir. Rebecca, cours! Non! Lâche-moi, petit con! Oh. J'aime tellement pas cet endroit, mais tellement pas cet endroit. J'aime pas ces hommes larves. Voilà, foutez-nous la paix. Ouh,
Munitions. Oh, merde, elle est en danger. Oh putain, j'aime pas ça. J'aurais dû prendre un truc pour me soigner. Dans l'étau se trouve une plaque. Il manque le levier. L'étau est inutilisable. Eh ben, heureusement que je l'ai trouvé. Donc nous avons là la deuxième plaque, la plaque obéissance. Oh, putain, Rebecca, tiens bon, s'il te plaît. Dans mes souvenirs, il y a peut-être un soin dans cette salle. J'espère vraiment qu'il y a un soin dans cette salle, sinon je suis pas dans la merde. Oh oui, il y en a. J'ai eu peur là un petit peu, hein. Alors qui c'est qui a les munitions? Je m'en fous de ça, je veux des munitions. Merci. Je sais, je m'en fous. J'ai vu qu'il y avait une deuxième plante. Prends la deuxième plante, s'il te plaît. Alors, maintenant, on combine. Je suis allée trop loin, voilà, parfait. Oh, j'avais pas vu, c'est des restes humains, là. Il y a un crâne et... Oh, j'avais pas fait gaffe. Oh putain, non! J'aime pas ces hommes limaces! Il y en a partout! Mais qui? Rebecca, merde! Non! Pourquoi tu m'as pas suivi, espèce de cruche? Ça, c'est un truc que je savais que ça allait arriver à cet endroit. Ça m'arrive quasi tout le temps. En fait, ce qu'il y a, si on passe une porte pendant que l'autre se fait attaquer, ben l'autre reste derrière. Et je savais que ça allait m'arriver à un moment ou à un autre. Je le savais tellement! Bon, on va faire un peu de rangement de nouveau. Let's go! Ok. J'ai trop d'objets éparpillés partout, il faut que je recentre un peu le tout. Non, tu peux rester là, toi. Je te reprendrai après. J'ai de nouveau de l'essence sans trop, si on peut dire ça comme ça. J'ai une idée. Je vais vous montrer un truc marrant.
évidemment. Je vais vous montrer un truc marrant. Et puis en même temps, ce sera un peu plus pratique pour moi aussi. Comme ça, je vais pouvoir faire certains allers-retours plus facilement. Deuxième couteau, j'en ai pas vraiment besoin. Donc il restera ici. En fait, ce que je fais là, c'est que je prépare le terrain pour la suite, parce que cet endroit est assez chiant au niveau de la récupération de ces objets et tout. Parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours à faire et... J'aimerais bien pouvoir le faire sans trop perdre de vie. Parce qu'en fait, quelque chose que je vous ai pas expliqué aussi, c'est que j'ai déjà essayé d'enregistrer ce jeu. Je l'avais enregistré avec sa version GameCube, parce que la version HD n'était pas encore sortie, elle était même pas encore annoncée à ce moment-là. Et j'étais arrivée un peu plus loin que là où on est maintenant. Et j'avais galéré, mais galéré pour pas mal de choses, hein. C'était assez compliqué. Et puis j'ai eu un souci d'enregistrement. Et ça m'a fait chier, donc j'ai arrêté. Bon, alors le truc drôle que je voulais vous montrer. Bon, déjà, attends, 30 secondes. Tu restes passif, s'il te plaît. Parce que ici, ils peuvent pas avancer. Donc moi, ce que je fais... Je m'avance un petit peu, mais pas trop, doucement. Je suis pas bien placée. Je vais pouvoir me les tuer, en fait, facilement. Sans me prendre le moindre coup, quoi, mais... Faut que je sois bien placée. Voilà. Ça va prendre un peu de temps, mais au moins je suis tranquille, parce que ces trucs-là me font chier quand je passe ici. Parce que je vais devoir repasser plusieurs fois. Voilà, les deux, hein. Les deux, deux. Trois. Voilà. Voilà, comme ça maintenant c'est beaucoup plus pratique. Et je vais pouvoir commencer à bouger mes objets jusqu'ici sans risquer quoi que ce soit. Donc je vais peut-être faire le déménagement entre guillemets jusqu'ici maintenant. Comme ça j'ai la paix. Ça je vais garder sur moi. Ça, on va aller l'utiliser tout de suite. C'est pas ce que je voulais.
C'est qui a la batterie? La batterie que je vais utiliser ici. Je crois que c'est ici que je vais utiliser. Non, c'est pas ici que je vais l'utiliser, c'est moi qui raconte de la merde. Ce n'est absolument pas là que je vais l'utiliser, c'est moi qui suis con. Désolé. Bon, allez, on déménage. Toi, tu viens. Toi, tu viens. J'ai plus de place, merde. C'est vraiment un moment du jeu que je n'aime pas ici, hein, devoir se recoltiner tous ces objets pour pouvoir les emporter ailleurs. Et encore, ça c'est parce que je sais ce qui m'attend. Quand il joue la première fois et que tu ne sais pas ce qui t'attend, tu le fais aussi, mais tu le fais un peu plus tard, et t'en chies un petit peu. Parce que là, j'ai fait en sorte de déménager mes objets à un moment où il n'y a pas de monstre, comme ça je suis tranquille. Par la suite, c'est un peu plus compliqué. Alors, on vide. Attends, j'ai pas vidé Billy. C'est dégueulasse comme phrase, mais mais c'est vrai. Ça, je vais certainement pas laisser en arrière, il faut pas rigoler. Hein? Ok, tout le monde est équipé à fond. Et niveau
Qu'est-ce qu'il reste? C'est bon. Ici, on est un peu à l'entrée du centre. Mais ben, on peut pas se barrer. Le milieu du pont s'est effondré. Au-delà du précipice ne s'étend qu'une obscurité totale. Ça serait trop facile hein, de pouvoir passer simplement par la porte d'entrée et se casser. Hein. Ce serait pas drôle, surtout. C'est bon, ici, y a rien qui traîne comme objet. Pas de plantes ou quoi. Par contre, ici, ce qu'on peut faire, du coup... Rien ne se passe. On dirait que le courant est toujours coupé. Sans blague. Tu vois pas qu'il y a comme un gros trou où tu es censé mettre une batterie? Voilà. Hein? Prendre l'ascenseur. Je trouve que c'est mal traduit. Parce que tu ne prends pas l'ascenseur, en fait. Tu fais descendre l'ascenseur. Split up. Roger. En fait, tu fais descendre un ascenseur où il y a une grosse caisse qui va te servir à récupérer un objet, en fait. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais on a vu quand on était au-dessus, sur l'espèce de balcon, qu'il y avait un objet qui brillait en contrebas, qui est un objet ici, et on peut pas le récupérer comme ça. Parce qu'il est en haut d'un pilier, c'est beaucoup trop haut, on sait pas le prendre, donc... On est obligé d'utiliser cette caisse. Parce que, regardez, hein, je sais pas si on le voit, mais il est là en haut. Il y a quelque chose ici, mais vous ne pouvez rien voir d'où vous êtes. Ah, parce que tu regardais par le balcon, toi. Mais on s'en fout. Voilà, là on le voit. Là il brille. Mais on se rend bien compte que même en sautant, on aura du mal à le récupérer comme ça. Hein. C'est à ça que sert la caisse. Billy, qu'est-ce que tu fous? Mets-toi là, s'il te plaît. Vas-y, pousse. Joue aux hommes forts. Il y a quelque chose ici. Plaque discipline. Alors, quelque chose de très drôle. Je sais pas si vous vous rappelez au début du jeu, quand ils expliquent les caractéristiques de chaque personnage, il y a marqué que Rebecca ne sait pas pousser des objets lourds. Ah bah tiens! Ça elle peut. J'ai rien dit alors. Oubliez ce que je viens de dire. Je pensais qu'elle arriverait pas à pousser la caisse, mais non, apparemment elle sait pousser la caisse. Bah tant mieux pour elle, hein! Come on! Ok. Je pensais vraiment que ça serait trop lourd pour elle et qu'elle n'y arriverait pas, mais apparemment non. Bon, ben tant mieux. C'est pas ça que je voulais. C'était la carte. Qu'est-ce qui reste ici? Des plantes? Ça, je m'en fous. Ça, je vais aller prendre. Ok. Je vais un dernier aller-retour, du coup. Je vais aller déposer les objets.
Voilà. Dernier aller-retour, et en même temps, je fais une petite sauvegarde. Prends-la toujours, elle est là, prends-la, voilà, comme ça fait. Non, pas par là. Cette arme-là, j'avoue que je m'en fous un peu. Elle tire que 2 balles. Elle est pas très très intéressante. D'ailleurs, la preuve, depuis que j'ai récupéré l'autre, je n'utilise plus du tout. Je crois même pas que j'ai assez de place pour la prendre. Eh ben, elle restera là. Alors, on met la dernière plaque. Et voilà, voilà. Oh tiens, il y a de l'eau en dessous de nous maintenant. Alors, ce qu'on va faire, on va un peu se préparer parce que je n'aime pas ce qui nous attend de l'autre côté. Voyons voir. Ça, je vais pas en avoir besoin. Voilà. Merci bien, Rebecca, de me rejoindre. Merde. Bon. On va faire autrement.